C'est chaud. Salut les gars. C'est Erkan, j'espère que ça va. Alors, je vous l'avais promis, on se retrouve donc pour cette vidéo de la revanche d'Hammerman, cette fois-ci avec des défenses un petit peu plus augmentées, on va dire ça comme ça. Alors déjà, mes 3 lance-roquettes qui ont augmenté un petit peu de niveau, donc niveau 11, niveau 8 et ne te loupe pas, et niveau 8. Mes 2 lances électrobombes qui sont niveau 3 et niveau 7, et... Après, donc, mes super canons, 8, 10, 6 et 11. Voilà, avec mes deux statues de glace, avec un malheureux gardien santé des bâtiments à 12%. Rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire même que je fais un petit peu honte, mais je n'y peux rien. Voilà, Supercell me manque totalement de respect, il ne me respecte pas. Je fais avec, c'est pas grave. Alors... Une autre chose encore, je suis certain que si vous étiez à ma place, vous serez devenu fou déjà depuis quelques temps. Ça fait 3, 4, 5, 4 ou 5 fois que je tourne cette vidéo. Je languis de recevoir les dernières petites choses qui me manquent pour pouvoir recorder l'iPad correctement et sans que ça plante. Parce que pour l'instant, je suis avec un logiciel qui est totalement aléatoire et qui commence à me rendre fou. Donc en fait, je suis en train de filmer, j'ai derrière sur un autre écran. J'ai le retour de l'iPad et de temps en temps, je vois qu'il y a marqué « Pim a cessé de fonctionner ». Mes couilles, tu me gaves. Donc, désolé, mais c'est affreux, quoi. Alors, il y en a plein dans la vidéo précédente qui m'ont dit « Arrête, détends-toi ». Donc, regardez, je suis détendu. Voilà, je me termine au café. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui. Le mec qui raconte sa vie. Et donc, je me suis levé à 7h du matin pour pouvoir vous tourner cette vidéo d'Hammerman. Alors, j'ai déjà fait les 2 premiers épisodes, vous vous en doutez. vu que j'ai déjà tourné 4-5 fois la vidéo, bon, à chaque fois, ça coupait au début, donc ça allait, mais voilà. Alors, donc là, on va passer en niveau 2, parce que bon, rien d'exceptionnel, des guerriers, des tanks, des fusillés, ils sont pas trop au niveau, ils sont pas trop nombreux, donc mes bâtiments défensifs font le travail très rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. On passe au niveau 2, rien de bien sorcier non plus. Qu'est-ce qui change? L'apparition des gros bras. Voilà, et les petites zouquettes aussi, je crois. Oui, voilà, et les petites zouquettes remplacées. Juste avant, c'était des tanks et des guerriers. A savoir que les guerriers, quand ils sont peu nombreux et quand ils sont lancés en premier, ils ne servent strictement à rien. On enchaîne. Donc, vous voyez que les mines sont super efficaces dès le début. Je vais peut-être avancer mes lance-roquettes. Oui, j'ai une équipe gratte. Je vais peut-être avancer les 3 lance-roquettes histoire de frapper vraiment sur le sable, parce que, enfin, dans la plage. Parce que là, ils frappent quand ils commencent à marcher sur mon gazon. Et moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. J'ai envie qu'il frappe sur la plage. J'ai mis un coup dans la tour. C'est affreux. Hop, allez, on enchaîne. x2. Donc, toujours pareil. La progression est rapidement maîtrisée. On enchaîne. Je vais y arriver. Aval. Aval, vous m'avez compris. Donc, le niveau 3, on a 9 tanks niveau 7. Qu'est-ce qui peut être embêtant aussi? 120 fusillés niveau 13, ça risque d'aller très vite. Et on a par contre des petits zoukas, donc c'est vrai que suivant... Ouais, ils vont être lancés en dernier, je suppose, en plus. Alors, lancés en dernier, les zoukas peuvent faire assez mal s'il reste encore des tanks, ce que je n'espère pas. Alors, ah oui, j'ai oublié de... Ah, si, mais mes lance-roquettes sont avancées, voilà, je les avais avancées. Je ne me rappelais plus, vu que c'était des replays. Hop, donc, ça avance. Alors, le mec qui utilise ses barrages, vous permettez, hop, je prends mon petit café... Voilà, donc ça c'est très bien les gars. Appuyez-vous sur les mines, asseyez-vous dessus. Il n'y a pas de problème les gars. J'ai mis des chamallows par terre. Allez-y. Allez-y, c'est parfait. Donc le niveau 3. Alors on voit que je progresse un petit peu plus rapidement. Enfin c'est ce que je trouve. Hein. Progresse un petit peu plus rapidement que la semaine dernière. En même temps j'ai fait le malin pendant plus d'une semaine et demie. Donc il était obligatoire que je passe le niveau 3 facilement. Et que j'enchaîne sur un niveau 4 que j'espère passer. Je l'espère, parce que sinon, je crois que tous les poteaux de la Task Force vont se foutre de ma gueule. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 9 tanks niveau 9. On a 48 gros bras niveau 15. Alors, il va falloir faire gaffe, là. 64 guerriers, 120 fusillés. Alors, je pars du principe que cette composition peut être éliminée efficacement avec mon placement de base. On va voir ce que ça donne. Alors, je dis ça parce qu'il n'y a pas de grenadier et il n'y a pas de médecin. Surtout. Donc ça c'est très important. J'espère que ma force de frappe va réussir
à les exterminer. Donc c'est très bien, les guerriers vont prendre toutes les mines. Regardez, ils vont prendre toutes les mines. Bam, 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 bam. Voilà, donc ça c'est super, ça c'est cool, ça, bravo les gars. Ça c'est pas mal. Alors vous voyez que ça passe quand même, ça va quand même assez vite. Hein. Il progresse beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Oh putain, il y a un dernier dépôt. Oh putain de merde, je l'avais pas vu. Oh là 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 là. Oh my god, oh my god, oh my god, il me reste un seul super canon. Comment je vais faire, comment je vais faire, putain. Ah là, faut friser les gars. Allez-y, frisez. Allez-y. Allez-y, frisez. Pêchez-vous, bougez-vous le cul, putain. Allez, bordel de merde. Oh là 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 là. Je vais pas passer, je vais pas passer. Je ne vais pas passer. Je ne vais pas passer. Allez, mais bouge ton fion, bordel. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, hein. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Je vais peut-être passer en fait. Je vais peut-être passer. Je vais peut-être passer, j'y crois. J'y crois, je suis quelqu'un d'optimiste. Oh là là, heureusement que l'électro. Heureusement que l'électrocanon est ici. Oh là là, regardez les dégâts qu'il fait au tank. Ah c'est super, c'est bon, je suis passé. Oh oh. Ça c'est top ça. Ça c'est top. Voilà. Donc le niveau 4 passé devant vous en live, au premier coup, sans booster les statues. Donc vous voyez déjà la progression par rapport à la semaine dernière, et à, il y a deux semaines. Ah je suis content là, je suis content. Ça c'est cool ça, j'aurais juré que votre base était ici, montrez-vous, et je la réduirai en poussière. Mais mec, t'es faux des lunettes ou quoi? Tu vois pas que ça fait déjà 4 fois que tu me tapes sur la gueule? Alors qu'est-ce qu'on a? On a 12 infirmiers. On a 3... Eh? Qu'est-ce que c'est ça? 312 fusillés. Bon, alors les gars, je pense que la vidéo va s'arrêter ici. On va tester pour rigoler. Ah, oh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Eh, le mec, il m'a lâché deux barrages. Et c'est terminé, il m'a tout rasé. Ah oui, donc je vois que j'ai encore de la progression à faire quand même. C'est abusé. Oh là là là, putain, les médecins en plus derrière. Guerrier médecin, ça, ça fait chier. Bon, en général, les guerriers ont pas assez de vie pour laisser le temps aux médecins de les soigner. Et là, faut éliminer... Oui, chronopost, je m'en fous. Voilà, justement, je vous en parlais, donc ça... Ils m'avertissent en direct, donc en même temps que vous. Ça, c'est plutôt cool. Faut me buter le dernier fusil, le dernier infirmier, là. Si vous ne le butez pas, je vais partir en schizophrénie, là. On y va. Oh, putain, le mec, il a lâché deux fois, quatre barres, je crois, il a lâché. Il m'a défoncé mon lance-roquette. Eh ouais, mais non, eh ouais, mais vas-y. Oh, putain. Allez, allez, les gars, j'y crois, il me reste un super canon qui sert strictement à rien. Il faudrait mieux d'aller taper à droite. Kono, putain. Bon, désolé, mais là, c'est l'émotion, hein. Ah, je suis désolé, c'est l'émotion. Ah, j'ai dégommé le café. Allez, les gars. Allez, les gars. J'ai confiance en vous. On peut y arriver. Défoncez-moi ces fusillés, bordel de merde. Putain, mais c'est fou. Oh là là. J'ai perdu mon électrocanon. Alors, il me reste quelques canons sur le côté qui servent strictement à rien. Ah, si, ça y est. Ils vont commencer à taper des tanks. Alors, si vous le permettez, on va mettre en x2, histoire de progresser peut-être un petit peu plus rapidement. Allez, les gars. Allez, on y va. Et ouais, mais mon grand, faut y aller, là. Et vous savez quoi? Je vais peut-être... Non, je passerai pas. Je ne passerai pas. Il faut pas abuser non plus. Allez, défonce-moi le stank. Et s'il s'approche pour la mitrailleuse, lui... Et lui, il est mort. Allez. Allez, à toi, à moi. À toi, à moi. À toi, à moi. C'est passé. Eh, mais c'est... Mais c'est super. Allez, on va mettre en x4, voir qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait, là? Allez. Ah non, me dis pas qu'il va me... Me dis pas qu'il va me défoncer le QG. C'est pas possible. Non, tu peux pas me faire ça. Eh mec, il reste des défenses là, descends. Oh putain. Oh la blague. Oh non, la... Oh là 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 là. Oh, il m'a fait caca dessus le mec. Oh putain. Ok. Bon les enfants, écoutez, ce qu'on va faire. Alors, je sais que vous aurez aimé que j'aille plus loin. Et je vais certainement passer ce niveau 4. Enfin, ce niveau 5 plutôt. Attendez, que je... Ouais, ce niveau 5. Je suis vraiment désolé. J'ai vraiment peur que le logiciel bug. On est déjà à 9 minutes 23. J'ai vraiment peur que le logiciel bug et qu'il me bute ce plan, enfin cette séquence de vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici pour cette semaine. Voilà, vous l'avez vu, je vous ai pas menti chez Chronopost et qui vient de m'avertir encore que je recevais des produits aujourd'hui. Donc, je vous promets que la semaine prochaine, ce sera un vrai Hammerman, le vrai gros Hammerman. On fera tous les essais que vous voulez. Je prépare... Ah oui, mais en plus, j'ai plus d'or, quoi. J'ai même pas fait gaffe. Je stockerai de l'or pour vous montrer vraiment ma grosse progression. On fera une vidéo de 20-30 minutes. Il n'y a vraiment pas de problème. À partir du moment où mon logiciel ne buggera plus, voilà, je pourrai vraiment me lâcher.
Ce sera super cool. Là, pour l'instant, je suis un petit peu tendu. Je vérifie à chaque fois Audacity. J'ai failli mourir. Je vérifie mon logiciel de record qui peut planter à tout moment. Donc, je vais stopper ici. N'hésitez pas à me dire, ben, vous, où c'est que vous en êtes de ce Hammerman dans les commentaires. N'hésitez pas à partager avec moi sur Twitter, Snapchat et Facebook aussi. Les liens sont dans la description dans tous les cas. Salut à tous, les amis, c'était Arcane.